syndromique dans 16% des cas. Ensuite, nous avons pratiquement la même catégorie pour les dysrégulations immunitaires. Plus rarement, les déficits en complément. Et nous avons eu pratiquement 4% de déficits immunitaires que nous n'avons pas classés dans les catégories. Quelle a été la prise en charge? Alors, la substitution en immunoglobuline a été le premier traitement. Donc, les différentes études, l'une réalisée en 2015 et l'autre en 2017, pratiquement, elle a concerné près de 70% de nos malades à déficit immunitaire. La dose moyenne était pratiquement de 525 et 554 mg kilo, avec une médiane à 500. Pour le taux résiduel des IgG qui a été effectué pour les déficits immunitaires humoraux, il est pratiquement de 7,7 et 7,8 g par décilitre. Et le traitement, il a été régulier dans pratiquement 80% des cas. Le rythme de perfusion en Algérie, dans 70%, c'est toutes les 3 semaines, dans la minorité, dans 15 et 30 jours. Donc la substitution, elle a concerné essentiellement dans 90% les déficits immunitaires humoraux et les déficits immunitaires combinés, dans la moitié des cas, les syndromiques et les dysrégulations immunitaires. Pour la dose des vénoglobulines selon les catégories, elle a pratiquement été la même, à raison de 500 mg dans les déficits immunitaires humoraux et syndromiques, pardon, et combinés, nous avons eu une dose un peu plus élevée dans les dysrégulations immunitaires. Alors, dans notre étude, nous avons remarqué qu'il y avait une très bonne tolérance vis-à-vis des immunoglobulines, avec 95% de tolérance. Nous avons eu 5% d'accidents à type de réaction urticarienne dans 7 cas, une fièvre dans un seul cas, une convulsion dans un seul cas et un AVC dans un malade qui a été suivi pour un SCID. En plus de la substitution en immunoglobuline, bien sûr, nos malades reçoivent des cures d'antibiotiques, une antibiothérapie séquentielle, des traitements antifongiques et parfois même antiviraux. Le décès, pratiquement un tiers des malades sont décédés, avec 103 malades disparus, enfin on ne connaît pas leur évolution, avec une moyenne d'âge pour le décès est de 3 ans. Elle concerne essentiellement les déficits immunitaires combinés. Alors, nous avons comparé pratiquement nos résultats par rapport aux résultats de nos confrères maghrébins, marocains et tunisiens. Donc pour un nombre de populations, nous, pratiquement avec les Marocains, on a pratiquement un nombre de populations, avec les Tunisiens beaucoup moins de 11 millions. Donc nous avons recruté 519 déficits immunitaires. La substitution en immunoglobuline, on la pratique essentiellement, enfin, en intravasculaire. Nous n'avons pas la sous-cutanée. Elle a intéressé pratiquement 72% des malades et un traitement régulier dans 82%. Par rapport aux consommations en immunoglobuline, nous avons eu pratiquement 40 000 grammes par litre, par gramme par an de consommation en immunoglobuline, pratiquement 11% pour les déficits immunitaires et 360 000 grammes concernant toute pathologie confondue. Pour la greffe de moelle osseuse, malheureusement en Algérie, on ne greffe pas encore. Les seules greffes qui ont été effectuées ont concerné 2 malades suivis pour Wiskott-Aldrich. Alors, par rapport aux confrères marocains et tunisiens, le taux résiduel visé par rapport aux substitutions est pratiquement le même, de 7 grammes par décilitre. La dose en Algérie, elle est de 500 mg par kilo et par dose, par rapport aux marocains qui est de 400 et les tunisiens, elle est très variable. Et la substitution, à notre niveau, elle se fait essentiellement toutes les 3 semaines. Nous n'avons pas de spécificité par rapport au SCID. Et malheureusement, nous n'avons pas encore la voie sous-cutanée. Alors, nous allons reprendre les principales recommandations des substitutions des immunoglobulines. Ceux-ci ont été tirés à partir des recommandations européennes de série 10 et les recommandations américaines. Première indication des substitutions en immunoglobuline reste les déficits immunitaires humoraux, dominés par les A-gamma-globulinémie avec une force de preuve niveau A, à la dose de 400 mg toutes les 3 semaines. L'objectif est d'avoir un taux résiduel d'IgG à 8 g par décilitre. Cette dose peut être amenée à être augmentée selon la clinique, et c'est-à-dire si l'enfant fait des infections à répétition, ou si le taux n'a pas été obtenu. Ensuite, si ce taux de 8 g par décilitre est obtenu et l'enfant reste
présente des manifestations infectieuses, l'indication d'une antibioprophylaxie, mais ceci, enfin, cette antibiothérapie ne va être débutée que si on est atteint l'objectif d'un taux d'IgG résiduel de 10 grammes par décilitre. Si malgré ça l'enfant est symptomatique, indication d'une antibiothérapie, c'est en premier lieu le cotrimoxazole à 25 mg kilo un jour sur deux. Si l'enfant présente 10 dilatations de branches, indication de l'azithromycine, mais beaucoup plus pour un effet anti-inflammatoire. Si malgré ça, l'enfant est très symptomatique, ou si on retrouve à l'ECB des crachats la présence du piocyanique, c'est une indication probablement de le traiter par des cures en intravasculaire ou parfois des antibiothérapies en inhalé pour éviter qu'il fasse des septicémies à piocyanique. Concernant les déficits immunitaires comme invariables, ce n'est pas tous les enfants à qui nous allons indiquer une substitution systématique. L'indication se porte pour les enfants essentiellement qui font une infection sévère ou 3 infections modérées par an, ou si le taux d'IgG est inférieur à 3,5 g par litre. La dose, elle est variable de 400 à 600. Avec, ici, l'objectif, c'est d'avoir un taux résiduel aux alentours de 5. Et bien sûr, nous recommandons de renforcer la vaccination. Si malgré un taux supérieur à 8 grammes par décilitre, c'est-à-dire qu'on a adapté les doses, on a augmenté les doses et l'enfant reste symptomatique, ça rejoint les indications des agammaglobulinémies en antibioprophylaxie par du cotrimoxazole, de l'azithromycine et parfois même des cures en intravasculaire. Concernant les déficits en sous-classe IgG, IgM, ou défaut de production d'anticorps spécifiques. Donc, c'est clair, dans le déficit isolé en IgA, pas d'indication. Pour les déficits en sous-classe d'IgG, elles ne sont pas recommandées de première intention, sauf si l'enfant fait des infections répétées ou sévères, et ça rejoint l'attitude thérapeutique des DICV. Concernant les déficits de production d'anticorps spécifiques, là, les recommandations sont aussi très claires. Donc, c'est une anomalie fonctionnelle et non pas quantitative des anticorps. En première indication, c'est l'antibioprophylaxie et la vaccination. Le recours à la substitution ne se fait qu'après échec à une antibioprophylaxie et par la suite, cette substitution ne va pas durer à vie, c'est-à-dire qu'on sera amené à faire des évaluations cliniques pour décider de continuer ou d'arrêter. Pour le syndrome d'hyper-IgM, donc c'est considéré comme étant un déficit combiné, surtout quand il y a un déficit en CD40. L'objectif, la substitution, elle est systématique avec un taux résiduel d'IgG à 8. Ensuite, indication d'une antibioprophylaxie si le taux est augmenté jusqu'à un taux d'IgG supérieur à 10. Et l'indication d'une antibiothérapie si ceci n'a pas été, c'est-à-dire nous n'avons pas pu contrôler l'enfant. Bon. Concernant les déficits immunitaires combinés sévères, c'est clair, l'indication, elle doit être posée et faite dès qu'on ait obtenu le diagnostic, et avec un niveau de preuve A. Ces perfusions, ces substitutions, peut-être seront être amenées à être indiquées même après la greffe, si l'immunité humorale ne reprend pas, et bien sûr, retenir la contre-indication formelle des vaccins vivants atténués pour ces malades. Concernant les déficits immunitaires combinés, le syndrome de Huskott-Aldrich, ataxie-telangiectasie, hyper-IgE et d'autres syndromes, la substitution, elle est indiquée avec un niveau de preuve A, à raison de 400 mg toutes les 3 semaines. Ici, nous mettons l'accent sur la prophylaxie contre la pneumocystose par le cotrimoxazole. Alors, concernant les anomalies de la phagocytose, essentiellement les granulomatoses septiques chroniques, pas d'indication pour la substitution. Antibioprophylaxie en première indication, et là, on met l'accent sur la prise quotidienne. Bien sûr, rajouter une prophylaxie par l'hydroconazole pour les infections fongiques. Renforcer les vaccinations contre les germes encapsulés. Et bien sûr, contre-indication formelle au BCG. Et malheureusement, c'est des enfants qui reçoivent le BCG à la naissance. Pour le facteur, les déficits en facteur du complément, encore une fois, pas d'indication à la substitution. Recommandation par une antibioprophylaxie essentiellement de la pénicilline. Si nous avons eu peur par rapport à l'observance, on peut indiquer l'utilisation de l'extensiline toutes les 3 semaines. En conclusion, la substitution par les vénoglobulines reste la première indication. Elles sont premièrement indiquées pour les déficits immunitaires primitifs.
actuellement la seule alternative pour les déficits immunitaires humoraux, la mise en place de la voie sous-cutanée permettrait une meilleure qualité de vie pour nos patients. Et je vous remercie. Merci, Dr. Toré, pour cette très belle présentation et pour avoir respecté le timing. Et donc, nous allons regrouper les deux interventions avant de passer à la discussion. Pour cela, j'ai le plaisir de donner la parole à Monsieur le professeur Bosfeha, qui est le président du Congrès et qui nous a habitués à des congrès de haut niveau scientifique. Donc, nous allons l'écouter parce qu'il va nous traiter les connaissances des médecins sur les indications de des immunoglobulines. À vous la parole, c'est Bosfeha. Oui. Abdelrahman. Aïe. Ce n'est pas celle-là. On connaît la maladie. Non. C'est l'utilisation des immunoglobulines. Complètement, ils ont changé, et sur le plan infectieux et sur le plan nutritionnel. Malheureusement, c'est le problème qui se pose, c'est de fait de venir à l'hôpital toutes les trois semaines, une hospitalisation, un absentéisme scolaire et tout ce qui vient avec l'absentéisme des parents. Et c'est vrai qu'il faut vraiment la mise en route de la voie sous-cutanée est très indiquée pour ces malades. Non, non, c'est pris, oui. ميرسي مدام البريزيدانت شكرا السادتي الكريمه ساحاول ان اقدم هذا العرض باللغه المغاربيه يعني العربيه في المغرب وشمال افريقيا هي دارجه منقحه بعض الشيء هذا بحث ميداني قمنا به لنعرف مدى وعي الأطباء في مركز الصحي جامعي ابن رشد بأهمية استعمال الإيمينوغلوبولين متى نستعملها وما هي الأولويات فقط وهذا البحث كان موضوع أطروحة طبية للطالبة ديزيري كواسي من كوت ديفوار ساحل العاج إذن منظمة الصحة العالمية قالت أن الإيمينوغلوبولين هو دواء أساسي ميديكامون إسونسييل ما معنى هذا أنه ضروري في العلاج حيوي في بعضها تعرفوا السندروم دو كاوازاكي باغ إكزومبل و أوجبت elle a obligé les hôpitaux à avoir ce médicament. C'est un médicament essentiel qui doit exister dans tous les hôpitaux comme l'adrénaline par exemple. لكن هناك عدة عوامل تحد من إنقاذ المرضى بها. فعلا إنقاذ بدونها يموتون. ما هي هذه العوامل؟ نظن أن ثمنها المرتفع هذا مشكل تم حله منذ الربيع العربي ومنذ 2011 على أي حال أو قبل قليل لأنه تم الحمد لله توفير دواء بشكل مهم في داخل المستشفيات لكن هناك عامل آخر هو الجهل باستعمالها الجهل
باستعمالها في عدة أمراض لأنه اعتدنا أن لا نستعملها اعتدنا أن ثمنها مرتفع كان سببا في تغييبها حتى من التدريس. إذن شنو الحل؟ هو ترشيد استعمالها في الأمراض التي تثبت فيها فعاليتها. لا يمام خصنا أولا نستعملها غير في الأمراض اللي عندها رخصة الاستعمال، ماشي نبقاو نستعملها بزاف الحوايج. انتم تشوفوا البحث باللي الناس يستعملوها بالنسبة لهم يستعملوها في بعض الحالات التي ليست لها الرخصة، وضمن الأمراض التي لها الرخصة ما هي الأمراض التي لها الأولويات؟ ما يمكنش يجي عندنا طفل عنده مريض كاوازاكي وما نعطيهوش الدواء أو لابيربيراتون بينيك وطويمها وما نعطيهوش الدواء روغ كو الكمية كبيرة كتمشي لواحد المريض اللي ما عندوش حتى لايمين. إذا قلنا المنهجية هي دراسة ستونيتود بروسبكتيف ستان كيستيونير، دراسة اللي استمرت من 2015 ل 2016. أعطينا لائحة للأطباء شكون هما داخليين مقيمين وأساتذة، اختارينا بعض التخصصات طب الأطفال، الجهاز العصبي، الباطني، الجلد، أمراض الدم، المفاصل والإنعاش. طلبنا منهم ما هي الأمراض الحاصلة على رخصة الاستعمال، ليس يعني يضعوا علامة حول لا في لائحة، يضعوا علامة أمام الأمراض التي لها الرخصة والأولوية. وأخذنا كمرجع توصيات الوكالة الفرنسية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية لاجونس ناسيونال دو سيكوريتي دي ميديكامون اي دي برودوي دو سانتي 2016. واعتمدنا الطريقة، مثلا إذا أردنا أن نقول مدى معرفة الأطباء باستعمالها في أمراض الجلدية، هناك لائحة فيها ربما 5-6، ونقول أن الإجابة كانت إيجابية بوزيتيف صحيحة إذا كانت الأجوبة صحيحة في أكثر من 50% من الأمراض، لأن سيصعب علينا أن نعطيها لكل مرض فأخذنا معدل. لذلك هذه هي اللائحة التي قمنا بها بالأسئلة. ترون مثلا هناك أمراض المناعة، ضعف المناعة الأولي هنا، هناك أمراض للجلد وأمراض روماتيزمال وأمراض أخرى يعني الجهاز العصبي. وطلبنا من الأطباء كل تخصص يجيب على تخصصه فقط. أمراض الجلد لا نطلب منهم أن يعرفون متى تستعمل في أمراض الدم مثلا، لكي يكون عندنا فكرة واضحة ولا يكون ما هي النتائج. فقط 47% من مجموع المستوجبين أعطونا جواب صحيح، يعني طبيب من كل 2 لا يعرفون استعمال هذا الدواء. في المقدمة كان أفراد فريق الأمراض الجلدية كاين لي ديرماتو تحية كان عندهم جواب صحيح في المقدمة، ثم فريق الأمراض الروماتيزم ثم فريق الأطفال. الأساتذة كانت إجابتهم صحيحة 73%، المقيمين 48% والداخليين 25%. هنا بكل تخصص وعدد المستجوبين، أمراض الجلدية 16 المستجوب، هناك أستاذ مقيم هذا كذا البحث كان مثلا. الآن سأقدم لكم اللائحة، اللائحة التي تضم الأمراض التي لها الرخصة لاستعمال فيها الدواء الإيمونوغلوبولين. دونك لا ليست كي لا ميم ديوتيليزاسيون طبقا ل اي ان سي ام سي دي اللي قلنا 2016 اللائحة الفرنسية. هذه اللائحة هي هذه مرضية كاوازاكي، بيربيراتون بانيك، غيلان باري دو لانفان، بي تي اي، ديفيسيميتير بريميتيف. المهم اللائحة. الآن هنشوفوا كيف كانت الأجوبة. مثلا مرض كاوازاكي، النسبة المئوية الذين قالوا على أنها أولوية 76% من الأطباء. 76% يعني أكثر من 20% لا يظنون أنها أولوية في الاستعمال.
اكثر من 25% اكثر من ربع المستوى جابين مستوى جوابين مستوى جوابين يقول لك ليست اولويه راه هي اولويات الاولويات يعني علاج مستعجل في ضعف المناعه الاولي كذلك مجموعه من الناس قالوا ليس اولويه يعني كان جوابهم صحيح في 73% على انها شباب ولكن شوفوا مثلا 17% تيقولوا يمكن نستعملوها ولكن راه ماشي اولويه non prioritaire. Le purpura thrombinique chronique de l'enfant, فقط ثلث اللي كيعرف على انه عنده الامم في البيربيرا كرونيك فقط ثلث من الاطباء في حين ان اللائحه الفرنسيه تقول انها اولويه المغاربه ثلث فقط الذين قالوا انها اولويه هذا الدواء يمكن استعماله خارج الرخصة للاستعمال سأعطيكم اللائحة خارج هذه اللائحة موجودة في الوثيقة الفرنسية يمكن استعماله في الريتروبلاستوبيني باروفيروس بي 19 بانفيغوس فيل برانداكيس ديرماتوميوزيت اتسيتيرا هذه يمكن لكن ليست أولوية إلا عندك مرض جوج المرضى يحتاجون وعندك دواء كافي لمريض واحد نعطي الذي له أولوية لانه عنده الامام مثبوته علميا اما اللي ما عندوش الرخصه راه ما مثبوتاش علميا يعني غير كان اذا هاد اللائحه شنو هي هاد اللائحه ليست لها الرخصه يمكن استعمالها لكن ليست لها الرخصه الاطباء اللي عارفين على انها ليس لها الرخصه فقط 41% هنا 61 شوفوا مثلا هنا هذا المرض هذا نص المستجوبين يظنون انها اولويه نص ديال الاطباء يظنون ان هذا المرض الذي ليس اولويه يظنون انه اولويه ويجب استعماله فعلا خطا لا يجب استعماله كاولويه فهمتي هذا الرقم لا سي با بيان سي با بيان باسكو دو لوتيليزي دون دوتر مالاد اي بريوريتير هذا لا بروفيلاكسي دو سوجي اريس اكسبوزيسيون على روجول تصوروا واحد الوليد تيلعب مع خاه الاخضر لا روجول ضربو حمرون ها الحصبه الاطباء كيظنوا على انه يمكن نستعملوه يعني مريض على خمسه ولكن ليس له مفعول ويظنون يعني المشكل ماشي 21% المشكل هو العدد الكبير ديال هاد المرضى اللي غنعطيهم الميونوغلوبولين ما خصناش نعطيو نظرا ان الفريق ان الجلسه المنظمه تعطيني 10 دقائق ساحاول تلخيص المناقشه والخلاصه في اخر شريحه هناك معرفة قليلة برخص الاستعمال خاصة بين الداخليين والمقيمين طيب نحن في مركز جامعي التكوين يجب أن يكون مكثفا إلا أنه كما رأيتم فقط الثلث تقريبا نصف المقيمين يعرفون متى ويعرفون الأولويات فقط النصف اخترنا المرجع الفرنسي لكن أريد أن أؤكد لكم أنه في الأطروحة التي قدمتها طالبة ديزيري كواسي لقينا اختلافات ما بين اللائحة الفرنسية لا ليست فرانسيز دي زانديكاسيون لا ليست انجليز دي زانديكاسيون امريكان مختلفين وحتى ماشي اختلاف كبير يعني كل شيء متفق على ان كاوازاكي وديفسيميتير لا نقاش فيها لكن هناك معلي 250 مرض وتختلفوا في واحد الخمسين اخترنا الوثيقة الفرنسية لأنها سهلة نظرا للغة الاستعمال عندنا في هنا في المغرب كبير من الأولويات ضعف المناعة والفرفورية المناعية الحادة هاد المرة كنت كنقدم محاضرة في مراكش ك
كان معايا استاذ حيده ولو بيربيرا فيمينونس قال لي انا نقول لك شنو هو الترجمه يعني تحت على الترجمه لو بيربيرا فيمينونس هي الصاعقه الفرفوريه شكرا اكتشفنا على ان الصفائح مهمه بزاف في القضيه حاجه واحده التي تبشر بالخير هو انه هاد المرضين الاغلبيه ديال الاطباء حتى الداخليين يعرفون ان هادو عندهم الاولويه ضعف المناعه البيربيرا ترومبينيك اوتو ايمان هادو جوج كيعرفوا على انها اولويه ولكن اللائحه طويله اذا هناك ضروره لتكثيف التكوين ومراقبه الاستعمال الحمد لله يوم 12 اكتوبر سننشئ لجنة ترشيد استعمال الليزيمينوغلوبينين في مركز الصحي الجامعي ومعطيات أكثر في المقال الذي عندكم في المجلة وشكرا سيدتي الرئيسة Merci si vous souhaitez c'était vraiment très très intéressant et nous allons donc ouvrir la discussion alors concernant les deux communications celle du docteur Toury et celle de M. Bousfer. Alors, y a-t-il des questions Deux questions. Comme il y a une table ronde après, donc le président voudrait qu'on ne dépasse pas deux questions. Oui. Moi, j'ai une question par rapport à... au sous-cutané ou à l'intraveineuse, enfin, plus par rapport au premier topo, est-ce qu'on observe une meilleure reconstitution du niveau d'immunoglobuline en fonction que ce soit sous-cutané ou que l'administration soit en sous-cutané ou pas ? Et est-ce que du coup ça permet comme vous disiez que parfois on n'arrivait pas à atteindre les 8 grammes ou les 10 grammes ou les 5 grammes en fonction de l'âge, etc. Est-ce qu'on observe une différence entre les deux modes d'administration en fait ? Sur le plan pratique, je ne pourrais vous répondre parce qu'on n'a pas de voie sous-cutanée en Algérie. Mais théoriquement, sur les recommandations, oui, la voie sous-cutanée, on obtient les mêmes objectifs que la voie intraveineuse. Mais sur le plan terrain, on n'a pas la sous-cutanée en Algérie, donc je ne sais pas. Si vous faites. On a eu une excellente méta-analyse sur cette question en arabe et avec Ossad Ahmed Abdelaziz et donc sur toutes les études qui sont dans le monde, sous-cutané est supérieur à intraveineuse. Aussi bien en immunoglobuline, la concentration. Par contre, pour les effets secondaires, c'est à peu près la même chose. En placebo, le contraire. Oui, ça c'est une autre expérience. Sadaïla, elle va vous dire notre expérience tout à l'heure. Mais là, c'est l'expérience globale de l'analyse. Par contre, si vous permettez, je peux poser une question. Non. Oui, allez-y. Tu poseras ta question après. J'ai vu le professeur Toury tout à l'heure pour les doses en cas de déficit intercombiné. Nous, on double les doses finalement. Vous, j'ai vu que vous ne le doublez pas. Là, on la dose tous les 15 jours, pas tous les mois. Ce qui est de kit. Hein? On double les doses. Nous, il n'y a pas de particularité par rapport au SCID, mais bien sûr, on est amené ensuite à revoir les doses au cas par cas. C'est-à-dire pour voir, dans les humoraux, c'est les doses d'IgG résiduelles parce que c'est ce qui reste. Dans les SCID, on peut avoir un taux qui est normal, mais en vérité, c'est la clinique. C'est la clinique. Ensuite, on adapte les doses selon la clinique. Merci. On peut écouter une dernière question sur... Oui, M. Béjaoui. C'est plutôt un commentaire, d'accord. Si vous permettez. Donc, je pense que cette histoire de posologie et de rythme de perfusion, en fait, lorsqu'on met un malade sous immunoglobuline, on l'a mis parce que, finalement, il fait des infections dans le cadre du déficit immunitaire, il fait des infections. Donc, l'objectif numéro un, c'est d'au moins diminuer la fréquence et la sévérité de ces infections de permettre à cet enfant de rejoindre son école ou un malade adulte sur son travail. Donc, l'objectif numéro un, il est clinique. Si ma clinique est bonne, et si je peux étaler l'intervalle de perfusion, je le ferai. Si ma clinique est bonne
et elle est bonne parce qu'en donnant juste 400 ou 500 mg kilo, je continuerai avec 400 500 mg kilo. Donc il ne faut jamais être si rigide que ça. Il faut avoir ce taux-là, il faut avoir. La clinique, c'est elle la priorité. Deuxième point, vous avez signalé beaucoup de perdus de vue. Là, c'est l'importance de mettre en place dans notre région maghrébine des unités spécialisées dans cela, des unités de suivi, de diagnostic et de prise en charge et de suivi de ces malades-là. Je pense que c'est indispensable parce qu'aujourd'hui, ils sont un tout petit peu perdus dans les services de pédiatrie, dans les services d'hématologie, dans les services de médecine interne. Et en conséquence, leur prise en charge, à mon avis, n'est pas optimale. Monsieur Bjaoui, pour ce commentaire, oui, professeur Touri. Étant donné les perdus de vue, étant donné que l'exploration se fait essentiellement au niveau d'Alger, les 5 laboratoires qui font le diagnostic de déficit immunitaire se situent au niveau de la capitale. Des enfants sont envoyés à 400-600 km pour faire un diagnostic et malheureusement, à un autre niveau, on n'a pas le suivi, peut-être qu'ils sont suivis ailleurs, mais nous, on fait le diagnostic, c'est ce qui fait qu'il y ait autant de perdus de vue. Parce qu'au fait, c'est l'éloignement des centres d'exploration et de diagnostic et des CHU. Moi, j'ai un dernier petit commentaire concernant l'intervention. Madame, excusez-moi. Juste par rapport à c'est plutôt la communication de Sibos Feha pour lui dire qu'en plus de la dermatomyosite et des vascularites systémiques en cas positif, il y a le purpura rhumatoïde maintenant dans les formes digestives sévères dans lesquelles l'indication des immunoglobulines est maintenant validée. Et ça donne d'excellents résultats, bien sûr, après avoir tenté tous les régimes, après avoir tenté la corticothérapie, et quand ça ne marche pas, les immunoglobulines occupent une place de choix. Oui, excusez-moi, Madame Simon. À la dernière présentation. Donc, je félicite l'équipe de Casablancaise pour l'enquête qui est particulièrement importante parce que nous avons aussi dans notre contexte à l'hôpital d'enfants de Rabat toujours des discussions au niveau du comité des médicaments et dispositifs médicaux sur les indications des immunoglobulines. Nous en avons, mais la quantité n'est pas suffisante pour répondre aux besoins et à l'ensemble des indications des différents services. Et donc, à chaque fois, nous sommes en train de nous réunir pour rediscuter les indications. Quelles indications prioritaires, celles qui sont secondaires, pour pouvoir rationaliser la quantité. Et nous avons recommandé au sein de l'hôpital, bien que qu'il y ait la formation et tout ça, que cette prescription reste sous la responsabilité du senior. Et nous avons établi une petite liste d'indications prioritaires afin que nous puissions répondre vraiment aux 4 principales maladies dont l'indication est prioritaire par rapport à certains d'autres. Mais je pense que ça va. Les discussions vont revenir parce que il y a beaucoup d'indications en fait. Merci beaucoup. Je pense qu'on va entamer la deuxième partie de cette table ronde par la présentation de l'équipe tunisienne par Dr Mohamed Bjaoui concernant la consommation et le coût de la thérapeutique par immunoglobuline intraveineuse et sous-cutanée dans la région du Maghreb. Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord remercier vivement Monsieur le Professeur Aziz Bousfeha de l'invitation et surtout d'avoir pensé à ce sujet et mettre en place cette table ronde pour la première fois depuis déjà plusieurs années. J'espère qu'on pourra sortir avec des idées claires sur l'utilisation, tout ce qui concerne les immunoglobulines, notamment dans notre région. Alors, pour parler donc Maghreb, il faut dire que je n'ai malheureusement pas de données sur la Libye. Les immunoglobulines intraveineuses ne sont pas encore commercialisées en Mauritanie et les immunoglobulines sous-cutanées, elles sont à leur début d'utilisation dans notre région, donc j'en parlerai pas, mais par la suite on va en parler dans un cadre plus restreint. Alors voici le plan que je vais suivre. Je vais donc insister sur la consommation des immunoglobulines dans la région du Maghreb et comparer notre consommation à celle du monde et puis comparer les besoins à la production. Est-ce qu'on produit suffisamment d'immunoglobulines en définitive dans le monde ou non? Est-ce qu'il y a des risques de pénurie? Ensuite,
D'emblée, c'est l'impact économique de cette consommation. Je l'ai étudié essentiellement pour la Tunisie, et puis on va le voir dans le monde. Et puis, comment peut-on rationaliser? Nous avons vu tout à l'heure dans la discussion ces contradictions dans les indications, etc. Est-ce qu'il faut rationaliser la consommation des immunoglobulines? Et enfin, je vais conclure sur les quelques perspectives que je vois dans notre région du Maghreb. Je dois dire d'emblée que les immunoglobulines sont des médicaments dérivés de sang. On les appelle d'ailleurs produits sanguins stables par opposition aux produits sanguins labiles parce que leur délai de péremption est déjà de plusieurs années. Cela dérivé de sang, cela veut dire qu'on est tributaire du don de sang. Don de sang qui est gratuit. Et vous imaginez donc la suite. Est-ce que ce don de sang est suffisant ou non? Est-ce que déjà il y a un risque de pénurie. Mais aussi, don de sang, cela veut dire qu'on peut transmettre un tas de choses. En dehors de l'exam immunologique, on peut transmettre un tas de virus, etc., dans ces perfusions. Et donc, il faut une sécurité pour cela. Et ceci alourdit énormément les coûts à la production de ces immunoglobulines. Initialement, et comme vous savez, depuis les premières descriptions de la maladie de Breton en 1952, on a utilisé initialement les immunoglobulines par voie intramusculaire, c'est mauvais, maintenant c'est interdit. Puis, dans les années 70, ce sont les Suisses qui ont pu mettre donc, à notre disposition les immunoglobulines intraveineuses. Progressivement, le procédé de production il s'est franchement amélioré, et dernièrement, les immunoglobulines sous-cutanées. Mais initialement, ces immunoglobulines étaient indiquées uniquement dans les déficits comme traitement substitutif des déficits immunitaires, et ce n'est que fortuitement, au début des années 80, qu'on a remarqué que chez un enfant qui a un déficit immunitaire, il avait une thrombopénie associée, vous savez, l'auto-immunité est fréquente dans le déficit immunitaire, et on a pu corriger les plaquettes avec les perfusions diminuées, et puis hop, c'est la flambée d'utilisation des immunoglobulines, d'abord dans des maladies auto-immunes, des maladies anti-inflammatoires, etc., etc. Donc, des indications qui se sont étendues de façon extraordinaire sont-elles toujours justifiées? Donc, ceci implique une consommation en constante progression, comme on va le voir tout à l'heure. En conséquence, l'impact économique de cette consommation est particulièrement important, je dirais, dans nos pays, parce que malheureusement, nous manquons toujours de moyens financiers. Donc, probablement, il faut rationaliser cette consommation. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un risque de pénurie tout de même, notamment pour des malades qui en dépendent, les déficits immunitaires? Leur vie, c'est immunoglobulines. Et puis, quelle perspective pour le Maghreb? C'est ce qu'on va voir. Alors, la consommation, j'ai emprunté cette plaque de Aziz. Elle a été présentée tout à l'heure. Merci Aziz pour ce beau travail. Et comme vous voyez ici, chez les seuls déficits immunitaires, en 2014, la Tunisie a utilisé 22 kilos d'immunoglobulines, au Maroc 8 kilos, et si on rajoute les autres indications, c'est 50 kilos. En Algérie, c'est 26 kilos pour les déficits immunitaires et 373 kilos, je pense que, d'après Mme Boukhari, c'est le chiffre exact. Donc, 373 kilos comme consommation globale en 2016. Si je vois l'évolution de cette consommation en Tunisie, j'ai choisi cette période. Les immunoglobulines sont utilisées en Tunisie depuis le début des années 90. Et donc, vous voyez qu'on passe de quelques 26 kilos en 2006. 10 ans après, regardez, c'est 90 kilos. C'est énorme. Donc, c'est 4 fois la consommation d'il y a 10 ans. Et si on voit dans le monde, vous voyez là aussi que il y a une consommation exponentielle, une évolution extraordinaire. 19 tonnes, comme vous voyez, en 92, près de 130 tonnes aujourd'hui, en 2016. Et que, en fait, il y a une grosse variabilité, comme a dit Aziz tout à l'heure, de consommation entre les pays. Si on voit dans le Maroc, donc, d'après les données que tu m'as données, ça fait à peu près 1,3 g pour 1000 habitants.
sont les données de 2014. Je suis sûr qu'il y a plus maintenant, aujourd'hui, en 2017. 8,6 donc en Tunisie, données 2016, et 9 donc en Algérie. Mais d'une manière générale, quand vous voyez Russie, Europe de l'Est, c'est beaucoup moins. Beaucoup moins. La plus grosse consommation, c'est les États-Unis et l'Europe, avec notamment une croissance annuelle énorme, 11% aux États-Unis et 5% et par an en Europe. Alors, elles sont utilisées dans quoi? En substitution, si vous voulez. Généralement, ce sont les déficits immunitaires primitifs et secondaires qui accaparent 20 à 40% de cette utilisation. Au Maroc, c'est 16%, d'après les données que je vous ai montrées. En Tunisie, le tiers de ces immunoglobulines achetées, on les donne pour les déficits immunitaires. Et en Algérie, la vérité, ce chiffre est à vérifier. Madame Boukhari ne peut pas me préciser exactement qu'est-ce qui est utilisé dans les déficits immunitaires. 10%, il me semble que c'est peu. Alors, et puis, ces immunoglobulines, ils sont utilisés en immunomodulation, on vient de le voir. Regardez l'immunologie, la neurologie, elle consomme 40%. 40%, l'hématologie 10 à 30%, et le reste, d'une extension des indications, c'est la rhumatologie, la dermato, l'infectiologie, et je passe. Alors, est-ce que demande et production des immunoglobulines, ou besoin et production des immunoglobulines, sont bons? La demande, sachez qu'elle dépasse de loin la production et il y a réellement un manque de production à l'échelon mondial et ceci est lié à la stagnation du don de sang, ça c'est capital, au rendement limité de la préparation des immunoglobulines, les procédés d'inactivation de virus qui sont de plus en plus sévères et de priants qui réduisent le rendement, l'augmentation des coûts à l'enregistrement et des tests de marqueurs infectieux de plasma et de fractionnement poussés à l'extrême, à une sensibilité extrême, amène à l'exclusion de dons non infectieux. Donc, la demande dépasse la production, il y a un manque de production, mais je pense qu'il y a une utilisation excessive aussi, utilisation excessive des immunoglobulines intraveineuses du moins. Pourquoi ceci est dû à l'extension des indications? La réduction des effets indésirables, regardez en Algérie tout à l'heure, 5% ou moins de 5%, pratiquement quasi atteint. Donc il n'y a plus d'effets secondaires, du moins majeurs, et bien sûr l'augmentation de la population. Y a-t-il un risque de pénurie? Je pense que ce risque, il est réel et il existe. Et déjà en Tunisie, les autorités tunisiennes ont déjà commandé leurs besoins pour 2018 et 2019, et combien? 195 kilos, moyennant donc 5% d'augmentation par an, ce qui est donc beaucoup. Alors, quel impact économique? Tout d'abord, en Tunisie, regardez ceci, je l'ai mis en dinar tunisien et je l'ai mis en euros. Pourquoi? Parce que avec la révolution en Tunisie, le dinar tunisien s'est dégringolé, et donc c'est vraiment un problème. Et là, on passe en dinar tunisien de quelques 2 milliards, en quelque sorte, à 4 fois plus, près de 10 milliards. C'est énorme, je pense. Et en euros, si vous voulez, près d'un million d'euros à 3,5 millions d'euros. C'est beaucoup pour un petit pays qui n'a pas beaucoup de moyens, et pourtant, il le faut. Alors, dans le monde, d'après ce Transparency Market Research, donc, on estime le marché mondial des immunoglobulines, regardez cela, 7 millions de dollars américains en 2015. C'est des millions de millions, difficile à imaginer, même pour ma part. Une croissance de 2016 à 2024 estimée à 8,5%, donc un marché mondial estimé en billions de dollars, en millions de millions, presque 15 millions de millions de dollars en 2024. Et c'est quelques multinationales donc, qui se partagent, si vous voulez, tout cela, et 70% du marché mondial, comme vous les voyez sur cette plaque. Alors, le marché des immunoglobulines au Maghreb, en Tunisie, c'est, comme vous voyez,
beaucoup de filiales, Octapharma, Biotest, LFB, Baxter, Kedrian, Behring. En Algérie, Baxter, Biotest et Behring. Au Maroc, LFB, Octapharma et Baxter. Ceci est important par la suite pour les perspectives au Maghreb. Pourquoi tout cet élargissement, si vous voulez, de ces firmes-là? Faut-il rationaliser la consommation des immunoglobulines? Oui, donc... Comment limiter les coûts liés à la consommation croissante des immunoglobulines, assurer en même temps l'approvisionnement continu pour les patients? Il n'en est pas question, c'est leur vie. Il est nécessaire de réfléchir sur les indications qui sont élargies et les modalités aussi de prescription. Je vais vous donner un exemple de cela tout à l'heure. La consommation et en conséquence les coûts des immunoglobulines sont mieux maîtrisés depuis près de 10 ans dans plusieurs pays. Je vais vous citer tout à l'heure l'expérience de l'Angleterre, mais aussi cette même expérience existe dans beaucoup d'autres pays. Voici cette fameuse expérience anglaise qui me plaît. En 2006, donc récemment, ils ont mis en place un programme qui vise deux objectifs. Le premier, c'est assurer d'abord l'approvisionnement en immunoglobulines, élaborer une approche de l'utilisation des immunoglobulines intraveineuses davantage fondée sur les données probantes, comme M. Ahmed Ben Abdelaziz nous a expliqué hier. Ensuite, l'objectif 2, c'est mettre en place un programme national de gestion de la demande composé de trois volets. Les voilà. Établir un guide national de pratique clinique afin d'assurer une utilisation optimale des immunoglobulines IV. Un plan de gestion de la demande, ça c'est très important, fondé sur la hiérarchisation des priorités. Et enfin, une base de données nationale sur les immunoglobulines afin de faire le suivi de leur utilisation et de soutenir la planification à long terme. Alors, pardon. Alors, le cadre administratif, le responsable de tout ce programme-là, c'est le ministère de la Santé, le département AFIL. En août 2006, on a mis sur pied un groupe de travail d'experts sur les immunoglobulines, sur des pharmaciens d'hôpital, des experts cliniciens, des prescripteurs d'immunoglobulines, des patients, des représentants du ministère. On n'utilise pas un produit qui n'a pas la même et la prescription, elle est réservée aux médecins spécialistes responsables du traitement de médecins. Les médecins généralistes, donc, ne peuvent pas prescrire. Le guide, ils ont utilisé un système de code en couleur. C'est très astucieux. En rouge, si vous avez un point rouge, on va le voir tout à l'heure en exemple, le produit est disponible en tout temps lorsque la vie du patient est mise en danger et ils sont prioritaires, ces malades-là, en cas de pénurie. Donc l'approbation, elle est automatique. Si vous avez un point bleu devant la maladie, le traitement des patients chez lesquels on a eu recours à d'autres options thérapeutiques, il a fallu utiliser d'autres options qui existent lorsqu'elles étaient appropriées. Le traitement peut se poursuivre à long terme, donc en cas où vous avez des points bleus, si la preuve de son efficacité est documentée, mais l'utilisation est réduite en cas de pénurie. Là, l'approbation elle est requise d'un comité d'évaluation. Et enfin, si vous avez un gris devant la maladie, à envisager au cas par cas seulement et en cas de pénurie, c'est la plus faible priorité, donc l'approbation et les requises d'un comité d'évaluation. Enfin, si vous avez un point noir, il ne faut pas insister, il n'est pas recommandé, sauf des cas exceptionnels. On va réunir des gens pour voir un tout petit peu cette demande. Regardez ici, dans le cadre du déficit immunitaire primitif, donc vous n'avez pratiquement que des points rouges, parce que c'est leur vie, donc ça c'est indiscutable. Sauf ici, ce sont les déficits secondaire, si vous voulez, ça, parce que si la maladie disparaît, donc évidemment, le besoin en immunoglobuline va disparaître avec. En hématologie, il y a énormément de bleu. Énormément de bleu. Le seul point rouge ici à long terme, c'est ces thrombopénies allo-immunes. Sinon, le PTI, regardez le PTI, je suis absolument d'accord et ravi d'avoir vu ça, c'est le PTI aigu. Parce que les PTI chroniques, on ne sait pas quoi faire et ils sont tout le monde sous immunoglobuline. Je trouve que ce n'est pas normal. Notamment chez nous, il y a d'autres options finalement. Sinon, le reste, anémie multicoto-immune, rétroblastine, ce que vous voulez, il faut utiliser d'autres moyens qui sont disponibles avant d'envisager le traitement par les immunoglobulines. En neurologie, il y a quelques rouges, mais de courte durée.
C'est le syndrome de Guillain-Barré, oui. C'est la neuropathie démyélinisante associée à des paraprotéines monoclonales, etc. Mais pour le reste, vous voyez, c'est essentiellement, on peut l'utiliser au long cours, mais ce sont des points bleus, donc ce sont des dossiers qui sont étudiés par des comités d'experts. D'autres spécialités. La maladie de Kawasaki, oui, elle est là, on le sait. L'érythrodermie bulleuse, elle est là, mais de courte durée, les autres, ce sont des points bleus. Donc, avec ça, l'utilisation totale des immunoglobulinés est passée de 2 500, disons, grammes en 2010-2011, mais sur une période de 9 mois, à 2 600 en 2012. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme, c'est une période de 12 mois, une augmentation annuelle de 5%. Et puis, regardez ici cette rationalisation, 46% de rouge, 41% de bleu, et très peu de reste. Très peu. Alors, la répartition d'utilisation des immunoglobulines en 2012, regardez l'EDIP ici, c'est 24%, le quart des malades, mais c'est plus du tiers de l'utilisation des immunoglobulines. En neurologie, c'est 10%, 26% de l'utilisation totale des immunoglobulines. Et si vous voyez très, très en bas, ici, vous voyez dans les autres indications, elles sont nombreuses, 29% ici des malades, mais juste 4,8% de l'utilisation des immunoglobulines. Donc c'est très astucieux et c'est très intéressant. Je conclue. Je dirais que les immunoglobulines servent de traitement de substitution, donc vital, des déficits immunitaires, ou de traitement immunomodulateur de plusieurs maladies auto-immunes et inflammatoires s'allonge de jour en jour. La demande croissante, y compris au Maghreb, a deux problèmes majeurs. Donc, moi, je pense que notre communauté médicale, scientifique, maghrébine, et on lui demande d'œuvrer. Je pense pour une stratégie maghrébine visant à assurer et l'approvisionnement continu, mais aussi l'utilisation optimale des immunoglobulines. Le succès de cette stratégie dépend de la mise en place d'outils administratifs, nous avons vu l'exemple anglais, dont l'emploi de formulaires de demande de immunoglobuline, ce n'est pas n'importe qui demande n'importe quoi, de mécanismes d'approbation ainsi que de la présence d'un système d'information et d'audit sur l'utilisation active des immunoglobulines. Une attention particulière doit être portée sur les indications d'immunoglobulines qui se multiplient, notamment en neurologie, 40% de la consommation mondiale. Enfin, faut-il produire ses propres besoins en immunoglobulines? Je pose la question, je laisserai cela à la discussion. Ou bien, du moins, établir des relations de partenariat. Et là, nous avons déjà une expérience, un exemple marocain, donc de partenariat avec LFB. Cette plaque, elle est à mon très cher Aziz. Elle est extraordinaire, je trouve. Là, il estime, Aziz, le potentiel de production des immunoglobulines dans toute l'Afrique et du sang, du plasma et des immunoglobulines. Regardez ce que mis en rouge ici. Le Maroc, vous voyez les populations, si je compte les deux pays, ça fait à peu près combien? Disons 50 millions, un peu moins peut-être. Combien on peut colléger de 200, 113 plus 37, ça fait 150 000 litres. Combien peut-on produire de immunoglobuline? Regardez ici, 80 kilos. 80 kilos, je vous ai... non, ça c'est les 80 litres de plasma, pardon. Et là, combien peut-on produire d'immunoglobulines sur ces données-là? À peu près 300 kilos. 300 kilos, ce n'est pas suffisant. Moi j'estime que des besoins tunisiens à quelques 120 kilos, des besoins marocains à, je pense, 350-400 kilos. Donc c'est insuffisant, donc il y a un effort probablement à faire en amont sur... Donc, au niveau de la collecte de 200, je vous ai dit que c'est ça le problème, c'est le don de sang. Bien sûr, si on ajoute l'Algérie, la Mauritanie, la Libye, on va être proche de quelques 800 kilos, même peut-être, hein, à un certain moment, si on ne rationalise pas une tonne
dans l'ensemble, dans les 5 pays du Maghreb. Voilà, j'ai terminé. Je voudrais remercier vivement cette dame. Elle m'a donné toutes ces données-là sur la consommation, les coûts, ce qui a été utilisé. Elle a tout un historique depuis les années 90 en Tunisie. Mon ami, mon frère, c'est Aziz Bousfiha pour les données qu'il m'a données. Madame Rachida Bokari et enfin Monsieur Essel Mokhalifa qui me confirme qu'on n'utilise pas les immunoglobulines, on produit, on ne commercialise pas les immunoglobulines au Maroc. Merci vivement de votre attention. Alors, merci beaucoup, docteur Mejaoui, pour cette excellente présentation qui a mis en exergue la problématique de la disponibilité des immunoglobulines et du risque réel de pénurie, avec l'importance, bien sûr, d'optimiser et de rationaliser nos prescriptions. Alors, je passe directement pour inviter madame docteur Eilal Fatema, qui va nous faire une présentation sur les effets indésirables liés aux immunoglobulines dans la région du Maghreb. La parole est à vous. Alors, bonjour. Je vais vous parler des effets secondaires des immunoglobulines. Et on vient de voir que les immunoglobulines peuvent être données soit à faible dose, dans le traitement des déficits immunitaires essentiellement humorales, mais aussi à forte dose, essentiellement dans les maladies où il y a ce traitement à visée immunomodulateur ou à visée anti-inflammatoire. On a aussi parlé des immunoglobulines qui sont... le plus souvent utilisé, c'est la voie intraveineuse. C'est toutes les 3 à 4 semaines dans les déficits immunitaires, bien sûr. Et aussi la voie sous-cutanée qui est utilisée toutes les semaines et qui est de plus en plus populaire. Alors, les effets secondaires sont le plus souvent mineurs et modérés. Il se voit dans 2 à 7% des cas, c'est essentiellement des céphalées, un faible recul, des frissons, des nausées, vomissements, parfois hyper-hypotension, douleur abdominale. Et le début de perfusion est très important à surveiller parce que lorsque ce début dépasse 4 mg par kilo par heure, il y a un grand risque d'avoir ces effets secondaires et ces effets surviennent le plus souvent pendant les 30 premières minutes ou juste après. Parfois, on peut avoir aussi des réactions exanthéformes, de l'anémie hémolytique, une atteinte hématologique avec des cytopénies ou encore une cytolyse. Des réactions d'hypersensibilité en rapport essentiellement avec la présence chez le malade des anticorps anti-IgA. Ils sont très peu fréquents, seulement 0,1% du malade. Ils sont essentiellement observés chez 10 malades qui ont un déficit immunitaire commun variable ou un déficit en sous-classe des GI2. Ça peut aller d'un simple rash cutané et on peut avoir aussi des formes graves, se forment carrément d'un choc anaphylactique. On peut avoir aussi ce qu'on appelle des réactions anaphylactoïdes en rapport essentiellement avec la présence des agrégats d'immunoglobulines qui sont moins sévères. Et dans ces diapositives, vous voyez qu'en fonction des spécialités d'immunoglobuline, on peut avoir parfois du taux d'IgA qui peuvent arriver jusqu'à 40 mg par gramme ou bien 0,06 en fonction des produits. Et aussi les agrégats qui se trouvent dans les immunoglobulines, ils diffèrent en fonction des spécialités qui peuvent arriver jusqu'à 0,8 g au moins de 1% des agrégats. C'est pour vous dire, si vous avez 10 malades qui font des effets secondaires, n'hésitez pas à changer le produit. Alors, pour les effets secondaires sévères, notamment l'insuffisance rénale aiguë, qui est retrouvée dans moins de 1%, c'est essentiellement les sujets âgés, en présence aussi de déshydratation, de certaines pathologies comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité. On peut avoir aussi des méningites aseptiques, qui sont en rapport essentiellement avec la dose donnée. Ils se voient essentiellement dans
le traitement d'hémoglobine à visée immunomodulateur lorsque la dose dépasse 2 grammes par kilo. Fréquent, cet effet secondaire aussi fréquent chez des malades qui ont des migraines et ils peuvent survenir jusqu'à donc d'emblée en 10 heures ou carrément après 7 jours de perfusion d'hémoglobine. On peut voir aussi les accès de thromboembolique aussi chez les sujets âgés, aussi fréquent si déshydratation ou si maladie veineuse thromboembolique et peuvent se manifester dans les premières 24 heures et parfois rapidement en 4 heures dans 50% des cas si malades peuvent faire cette complication. Alors voici une étude qui a cherché les effets secondaires d'hémoglobine sur 13 508 perfusions chez 459 malades et on a remarqué les effets secondaires seulement dans 0,8% des cas, aucune complication sévère et c'est essentiellement des céphalées, des douleurs abdominales, un fébricule et ils sont favorisés par le début de la perfusion. Aussi le fait que le malade présente une infection lorsqu'il va recevoir sa perfusion et la présence aussi des anticorps anti-IgA est très fréquente chez ces malades qui font ces effets secondaires. Un autre travail récent de 2016 sur 24 malades qui ont eu des perfusions d'immunoglobuline, on a vu aussi la fréquence des céphalées, presque 41% des malades ont fait des céphalées, aussi un fébricule, douleur abdominale. Donc il faut dire que le plus souvent, ces perfusions sont très bien tolérées. Alors pour les immunoglobulines sous-cutanées qui peuvent être données soit par une pompe programmable ou encore par tout simplement ce qu'on appelle la méthode poche, ça veut dire qu'on va injecter doucement en utilisant la seringue, les effets secondaires ou bien les réactions généralisées sont extrêmement rares par rapport à la voie intraveineuse. C'est essentiellement des effets secondaires locaux qui sont observés, notamment un œdème, de la douleur, une rougeur, une induration, un prurite, ecchymose. Et la particularité de cet effet secondaire local, c'est qu'il va disparaître avec les perfusions. Au cours des 10 premières perfusions, le malade tolère bien le produit et pour ne jamais faire ces effets secondaires locaux. Un travail sur les effets secondaires des immunoglobulines sous-cutanées sur, entre le Canada et le Brésil, 5953 perfusions. Vous voyez ici que c'est essentiellement des problèmes d'effets secondaires locaux, le plus souvent légers. 29% des malades vont faire une réaction locale légère, modérée des pourcents des cas. Seulement 1% qu'on va faire une réaction locale qui est grave. Et pour les effets secondaires systémiques, au général, les céphalées, le fébricule, c'est seulement 3% des malades qui peuvent faire ces effets secondaires généraux. Il faut dire qu'il faut ajuster toujours la perfusion si on donne les immunoglobulines. Commencer progressivement par 1 ml par kilo par heure la première 30 minutes, puis augmenter 2 ml par kilo par heure, 3 ml par kilo par heure, sans dépasser 4 cc par kilo par heure jusqu'à terminer la totalité de la dose qui est prescrite. Alors, comment prévenir le choc anaphylactique chez les malades? C'est premièrement, si avec des phtons IgA, il faut faire un dosage des anticorps anti-IgA, si présence, prescrire immunoglobuline dépourvue en IgA. Ça existe. Il faut toujours prévoir chez ces malades, bien sûr, un chariot d'urgence et de réanimation parce qu'il peut faire des chocs anaphylactiques sévères et commencer le débit progressivement. Donc, ce n'est pas 1 cc par kilo, mais on peut commencer carrément avec 0,25 cc par kilo ou carrément ou 0,5 cc par kilo. S'il y a un problème, on peut encore diminuer le début de la perfusion pour éviter ces effets secondaires. Et parfois, la prémédication peut être faite. Il faut faire une hydratation du malade sur le débit, bien sûr. On peut aussi fractionner le traitement. Au lieu de donner la dose totale en 48 heures, on peut la fractionner sur 5 jours. Et bien sûr, on peut traiter ces méningites aseptiques par les AINS. Et s'il y a récidive, n'hésitez pas à changer le produit.
Alors, concernant les mesures à prendre, les mesures générales, c'est d'abord toujours commencer la perfusion à l'hôpital, jamais démarrer la prise d'immunoglobuline d'emblée à domicile, parce qu'on peut avoir des malades qui peuvent être susceptibles de faire des effets secondaires sévères. Il faut garder le malade au moins une heure après la perfusion. Et bien sûr, hydratation, c'est il y a forte chaleur, bien déshydratation. N'hésitez pas à faire un bilan chez des malades qui sont surtout âgés pour guider certaines pathologies qui peuvent être à l'origine de ces effets secondaires. Toujours ramener le flacon à température ambiante avant l'administration, bien sûr. La prémédication n'est pas systématique, c'est en fonction des malades. En cas d'effet secondaire mineur, ce qu'on fait, c'est qu'on va réduire le début de la perfusion au minimum. Si persistance, on l'arrête carrément. On peut donner des paracétamol ou la corticothérapie. Et après résolution de l'effet secondaire, on peut reprendre la perfusion par la suite. Et allopathe, ce qu'on fait, nous, lorsqu'il y a des malades qui font 6 frissons, etc., un peu carrément, s'ils gardent ça, faire une perfusion de sérum salé, ça les améliore rapidement. Ça veut dire qu'on va diluer le produit dans le sang et ça donne de très bons résultats. Alors, la méningite aseptique, c'est la même chose. Donc, hydratation, sérum salé, résolution en quelques jours le plus souvent. Alors, l'expérience du Maghreb. Alors, au Maroc, on avait fait une étude sur les effets secondaires à l'hôpital d'Enfants, je crois, en 2014. C'était des malades qui étaient suivis pour maladie de Bruton, syndrome hyper-IgM, DSCV, chez la classe d'Oskid. 5 adultes et 30 enfants. 2 effets secondaires ont été notés. Pour les 140 perfusions, un pourcentage de 8,5%. C'est essentiellement des nausées, vomissements, douleurs abdominales. Aucun effet secondaire grave, à part une patiente qui nous fait un œdème important du visage avec un urticaire, chez laquelle l'administration des immunoglobulines sous-cutanées était à l'origine de la disparition de cet effet secondaire. Alors en Algérie, Rachida Boukhari m'a adressé donc ces résultats qui sont déjà présenté par Mme Touri. Donc, sur 235 enfants traités par immunoglobuline intraveineuse, seulement 5% des malades qui ont eu des effets secondaires, c'est essentiellement une réaction cutanée urticarienne, de la fièvre, un cas de convulsion et un cas d'AVC. Mais il faut dire, à la fin, il a dit qu'il n'y a pas un protocole pour vraiment surveiller, poser la question aux malades. Comment elle a ressenti la perfusion? Est-ce qu'il y a de la fatigue? Est-ce qu'il y a des nausées? Est-ce qu'elle a vu des céphales, etc.? C'est pourquoi il faut prévoir des travaux, bien sûr, dans ce sens, pour bien étudier ces effets secondaires. Alors, pour la Tunisie, j'ai eu cet article qui était publié essentiellement sur l'apport du traitement et pas les effets secondaires, mais dans la tolérance, ils ont dit comme quoi les perfusions ont été généralement très bien tolérées avec une seule fois une réaction allergique a été observée. Donc, il y avait pas, je crois en Tunisie, il n'y a pas de travail codifié pour voir ces effets secondaires de façon adéquate. D'ailleurs, c'est l'objectif de cette table ronde, c'est de prévoir peut-être un travail qui va concerner tous les pays du Maghreb, bien fait pour voir les effets secondaires de ces perfusions d'immunoglobuline. Donc, immunoglobuline intraveineuse très bien tolérée, complications, telles que l'insuffisance rénale, le choc, etc., sont exceptionnelles. Il faut toujours respecter le début de la perfusion et bien sûr chercher les facteurs de risque pour prévenir les effets secondaires graves. Et merci. Alors, merci beaucoup pour cette excellente présentation concernant les événements indésirables liés aux immunoglobulines dans la région du Maghreb. La parole est à la salle, donc nous allons prendre quelques questions avant de passer à l'autre table ronde. Alors, docteur Kili. Merci, moi je remercie tous les orateurs dont les présentations ont été excellentes. Je remercie tout particulièrement Sibjali. Sibjali, je n'ai pas à vous féliciter parce que ça va de soi, vos présentations, c'est l'excellence. Alors, je vais me permettre, c'est Bousfeha, en tant que secrétaire général de la Société marocaine de déficit immunitaire, j'invite toutes les personnes ici présentes et intéressées justement par la prescription des immunoglobulines de créer un compte
comité, pourquoi pas maghrébin, pour produire un guide pratique d'utilisation des immunoglobulines adaptés aux pathologies, aux indications et bien sûr aux moyens et aux disponibilités. Ce serait très intéressant et très faisable. Alors, moi je suis très touchée par les PTI, vous en avez parlé, si j'avais, parce que dire que le généraliste n'a pas à prescrire, je pense qu'il y a aussi problème au niveau du spécialiste. Des pathologies un peu comme les PTI, ça se voit par l'hématologue, peut-être un peu par monsieur tout le monde, mais parmi les spécialistes, et il y a encore des pédiatres qui prescrivent justement des immunoglobulines à tort pour des PTI chroniques. Parce que, voilà, il y a la pression des parents, on se fixe sur des plaquettes à 1000, on se remonte à 60 000, mais après ça dégringole. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un peu la pression aussi des laboratoires. Les indications et l'AMM, ce n'est pas tellement précis, voilà, et ce n'est pas dit comme il faut le dire par les laboratoires. Le PTI est une indication, mais dans quel cas, dans quel PTI? C'est ça la question. Donc je pense que la production d'un guide pratique, ce n'est pas une mauvaise idée. On peut se faire. Merci. Je dois dire d'abord que les diapos là que j'ai pu partager avec toi, avec nos collègues maghrébins, c'est en grande partie grâce à Leïla. J'étais à Rome pour une présentation, il y avait Martine, et donc j'ai eu la chance de me poser les bonnes questions. Comment y arriver? Donc c'était grâce à l'aide de Leïla. Et on a travaillé ça a pris du temps. Ça c'est la première chose. La deuxième chose... J'ai oublié. Ça fait chocolat. Azaïman. Moi, je voudrais juste soulever une petite question relative à l'indication. À chaque fois qu'on parle immunoglobuline, déficit immunitaire, c'est un petit peu, on ressort le mot substitution. Bon, je pense qu'il y a aussi le côté, soi-disant, immunomodulateur qui est assuré. Donc, est-ce qu'il va falloir préciser ce qui est relatif uniquement à la substitution ou mettre comme indication aussi rôle anti-infectieux, etc. Il faut mettre les deux, donc, parce que certains, dans ce deuxième cadre, il y a le chevauchement avec beaucoup de disciplines, la neuro et beaucoup de pathologies, pour que... Voilà, tout à fait. Oui, en tant que représentant de patients, on travaille beaucoup nous aussi sur l'approvisionnement parce que très honnêtement, la grande peur des patients, c'est les ruptures d'approvisionnement. Et comme l'a très fort justement mentionné le professeur Bjaoui, on a vraiment beaucoup, beaucoup de voyants rouges en ce moment. Donc en effet, les immunoglobulines, c'est le produit qui est le driver au plan économique des dérivés plasmatiques, puisque ce n'est plus les facteurs de fractionnement compte tenu du fait qu'il y a les produits de plasma. Les recombinants. Donc aujourd'hui, c'est vraiment les IG qui sont un enjeu majeur financier, vous l'avez dit. Parallèlement, on a le diagnostic qui s'améliore partout. Ça a deux conséquences, c'est qu'on diagnostique plus, mais aussi que les patients vieillissent. Et ça, c'est pas rien dans la croissance. Il y a un chiffre moi, qui me fait toujours peur, c'est de se dire que l'Asie aujourd'hui représente 17% de l'utilisation mondiale des IG et qu'il représente 57% de la population mondiale. Donc on voit encore les marges de progrès de cette consommation. Après, je voulais revenir donc sur l'idée de faire des guidelines. Hein, je crois que c'est enfin, des guides. Je crois que c'est vraiment tout à fait essentiel. Nous, on s'est battu en France pour avoir en effet des prioritisations. Voilà. Et c'est vraiment très très important, surtout quand on sait qu'on a des risques de rupture d'approvisionnement. Et en ce moment, on est en France. Hein, on est clairement en ce moment en tension en France. Donc, je tiens vraiment à le dire. On n'est pas en train de s'inventer des histoires. Et dans ce que font les médecins, mais c'est un vrai sujet quoi. Et il y a des choses aussi auxquelles il faut penser. Nous, on a vraiment essayé on essaye parce qu'on n'y arrive pas encore à introduire toute la boucle, c'est-à-dire il y a bien sûr les médecins, mais il y a les pharmaciens, comme ça a été dit, et il y a aussi les soignants. Par exemple, on a vu, on ne voit plus aujourd'hui, enfin j'espère, mais parce que le dosage n'était pas conforme à la prescription des soignants, mettre le dosage et jeter le reste.
Et je pense que c'est quand même juste grave de devoir jeter des produits comme cela. Voilà, donc on a beaucoup de sujets comme cela. Au fond de la salle, merci. Moi, je voulais juste confirmer que réellement les chiffres de consommation en immunoglobuline en Algérie étaient de 360 000 et que 11% sont destinés malheureusement grammes par an et que 11% sont destinés malheureusement pour les DIP. Et il faut rajouter une chose, que les immunoglobulines en Algérie, elles sont données gratuitement, elles sont entièrement assurées par l'État. C'est ce qui fait que la prescription elle est facile et c'est-à-dire on a accès facile aux immunoglobulines. Alors, une toute petite dernière question. Non, juste une recommandation. Moi, je pense qu'on doit se mettre au travail. C'est bien d'avoir fait cette table ronde. Moi, je dirais à Aziz de présider un comité de suivi. C'est indispensable. Il ne suffit pas de faire des conférences et s'en aller. Je pense qu'on doit être actif. Et on doit se mettre au travail, du moins nos trois pays, Maroc, Algérie et Tunisie. Et je vous assure que c'est faisable en un mois, on peut clore tout cela. Il faut inviter, comme ça a été fait en Angleterre, tous les utilisateurs de près ou de loin de ces immunoglobulines et établir tout ce que j'ai démontré tout à l'heure. Voilà. Tu es d'accord, Aziz ? On y va. Merci beaucoup. Donc, on va clore cette table ronde, remerciant évidemment tous les orateurs, mais aussi tous les participants qui ont enrichi cette séance avec leur intervention. Je passe la parole au professeur Miko. À Monsieur le Président du Congrès, nous demandons d'enchaîner tout de suite par la table ronde suivante. Du coup, nous allons donc rester dans le Maghreb et puis parler de la place de l'administration sous-cutanée des immunoglobulines dans les pays du Maghreb.